Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les huiles essentielles et plus particulièrement pour un petit soin pour le visage, plus précisément un soin pour les peaux sujettes à l'acné juvénile. Donc j'ai une ado à la maison, c'est la période des petits bobos du visage et je vais vous montrer tout de suite comment réaliser vous-même naturellement et avec très peu de choses, votre propre soin contre l'acné. Donc pour ce premier soin homemade, on va préparer une petite huile qui sera efficace contre les problèmes de peau, si vous avez un peu de boutons, etc. Après, il faudra faire attention au dosage des huiles, mais je vous ai expliqué tout ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est pas complexe, mais il faut savoir combien de gouttes d'huile on met d'huile essentielle on met pour combien d'huile végétale. Pour ça, il y a des petits calculateurs qu'on trouve facilement sur internet. Je vous mettrai un lien d'un calculateur pour que ce soit plus simple pour vous. Moi, j'ai choisi de faire un soin de 50 ml. J'aurai besoin, pour que mon produit soit efficace, de 3% d'huile essentielle incorporée à ma base. J'ai donc besoin de 60 gouttes au total. J'ai choisi de mettre deux huiles, donc deux pourcentages différents, donc 40 et 20. Mais vous allez vite comprendre, je vous montre ça tout de suite. J'ai donc trouvé des petits contenants de ce type pour mettre ce genre de soins. Je les ai trouvés chez les Sœurs Graines du Danemark. Je vous en parle souvent dans mes vidéos parce que c'est vraiment un magasin où on trouve plein de petites choses fabuleuses à des prix vraiment tout petits. Voilà, donc mon petit contenant, du coup, c'est un petit contenant hermétique. Hein. Comme ça, il est à l'abri de l'air et rangé dans le placard, il est à l'abri de la lumière. En base, donc, j'ai choisi l'huile végétale d'amande douce parce qu'elle a plein de propriétés. Elle est riche en acides gras et du coup elle assouplit la peau. Elle est aussi efficace dans les problèmes d'eczéma. D'ailleurs, on l'utilise souvent pour les croûtes de lait sur les nourrissons, donc elle n'agresse pas du tout, etc. Donc pour ce type de soin, elle sera parfaite, mais vous pouvez utiliser d'autres huiles, hein. Là par exemple, j'ai de l'huile d'argan. Mais l'huile de jojoba fait bien l'affaire aussi. Enfin, il y a plein d'huiles. Mais ma préférence pour ce genre de produit sera l'huile d'amande douce. On va commencer ensemble à préparer notre petite recette. Vous allez voir, j'ai pas de balance au gramme, etc. C'est quelque chose qui est plutôt précis, mais on a moyen de le faire aussi avec des quantités approximatives, mais qui sont proches de la réalité quand même. Donc j'ai un verre doseur. C'est un verre doseur qui vient du concert de Boulevard Désert avec la dédicace de Mel sur le côté. Mais du coup, il est très pratique. Et je vais prendre 50 ml d'huile que je vais mettre dans mon gobelet. Donc voilà, j'ai mes 50 ml. Je vais en prélever un tout petit peu, genre une cuillère à café que je vais mettre dans un petit récipient comme celui-ci. Voilà, on va se concentrer un petit peu plus sur les produits. Ma tête, vous la voyez tout le temps. Je mets un petit peu d'huile comme ça dans un petit récipient pour pouvoir venir ajouter mes huiles. Donc, on a dit qu'il fallait 40 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Pour la première, c'est celle que je mets en plus grande quantité. Et pour l'autre, donc j'ai choisi l'huile de citron parce que ça donne un petit parfum un peu plus sympa déjà. Et puis, parce que l'arbre à thé a une odeur vraiment particulière. Pour aussi ses propriétés sur la peau, ça illumine le teint. C'est vraiment une bonne huile à associer avec celle-ci. Donc, je vous ai dit 40 gouttes. Donc, c'est parti, on compte. Musique.
40. Donc à ça, je vais ajouter mes 20 gouttes d'huile de citron. Et 20. Je vais mélanger. En fait, c'est pour que les huiles essentielles se répartissent bien dans l'huile végétale. Donc, je préfère d'abord mélanger dans une petite quantité. Cette petite quantité-là, du coup, je vais venir l'ajouter à l'huile de départ. Voilà. Je vais remélanger le tout. Et je n'ai plus qu'à faire le transfert dans mon flacon. Et voilà. Voilà, mon petit soin est prêt. Je vais venir poser une petite étiquette ici. Donc pour finir, je prends des étiquettes d'écolier. Hein. Je vais venir inscrire sur l'étiquette le nom de la préparation. Et je mets aussi le nom des huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et je viens placer mon étiquette sur mon petit flacon. Voilà. Il peut donc maintenant rejoindre mes petites étagères où je range les soins et les petites choses qu'on utilise dans la salle de bain. Cette préparation, alors moi je conseille de l'utiliser le soir parce que bah, déjà ça a un effet, quand on dort, on va pas se toucher la peau, etc. Donc l'effet il sera plus intéressant. Et pour une deuxième raison, c'est que l'arbraté, ça sent vraiment fort. Et que bah, si vous ne voulez pas laisser sur votre passage le sillon de l'odeur d'arbraté, il sera peut-être préférable de le mettre comme soin de nuit. Voilà, il hydratera aussi en même temps votre peau, donc que des avantages. Voilà, voilà, donc vous avez vu, c'est rapide, c'est facile, c'est naturel, ça ne coûte pas très cher. Ça évite de se mettre plein de produits chimiques sur la peau et en plus c'est très efficace. On n'oublie pas que si on a vraiment un bouton disgracieux et qu'on veut le faire partir très vite, on utilise l'huile d'arbraté pure directement sur le petit bouton avec un coton-tige. On met une goutte sur le coton-tige, hop, on le passe sur le petit bouton et il disparaît comme par magie. Voilà, voilà les filles, bah, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas, vous mettez des pouces vers le haut. Vous n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets plein de petites infos juste dessous, les liens vers les articles qui vous donnent plus de précisions sur les pourcentages, les préparations, les calculateurs, etc. Les liens vers le blog et la page Facebook, si vous voulez venir papoter avec nous, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour demander aussi s'il y a des choses que vous aimeriez voir comme type de soins, etc. Si je peux vous montrer comment on s'en sort, et ben je le ferai avec plaisir. Voilà, en attendant, mes belles, moi je vais vous faire plein de bisous, mais plein comme ça. À bientôt.